Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je la commence avec mon réflexe car je viens de me rendre compte que je ne sais pas où est ma caméra de vlog. Voilà, je sais que je l'ai pris dimanche dernier quand je voulais vous tourner une vidéo, sauf que j'étais beaucoup trop fatiguée pour tourner quoi que ce soit et faire le montage le jour même pour qu'elle sorte à 17h. Car comme vous le savez, avec mon nouvel appartement, je vis en quelque sorte un petit enfer puisque j'entends tout ce que mes voisins du dessus font, donc je n'arrive pas à dormir. C'est très compliqué. Les propriétaires sont censés faire des travaux d'isolation phonique, on en reparlera, c'est pas le sujet de la vidéo. Et également le week-end dernier, donc le week-end du 30-31 juillet, je suis partie à Disneyland Paris parce que mes amis m'ont offert Disney pour mon anniversaire et du coup je suis rentrée le dimanche 31 à 2h30 du matin et je suis partie au poney à 15h. Donc clairement je n'avais pas la foi de tourner une vidéo, mais j'avais pris quand même ma caméra de vlog au cas où, hein, sait-on jamais. Et je pense clairement que je l'ai oublié là-bas. Je l'espère parce que je ne suis pas allée au poney hier. Donc aujourd'hui, on est le mardi 2 août. Je ne suis pas allée hier. Donc j'espère clairement qu'elle est là-bas parce que sinon, je suis un peu dans la mouise. Sinon, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va bien évidemment partir au poney pour que je me rassure du coup psychologiquement que ma caméra de vlog est là-bas. Mais également parce qu'on va travailler Bilbao. Ça y est, je viens de reprendre le travail. Je veux mon travail, mon boulot quoi, mon job quoi. Et du coup je veux reprendre sérieusement la perte de poids de Bilbao. Je vous referai une vidéo, mais il y a certaines choses qu'il faut que je vous dise qui me pèsent un peu, mais j'ai pas forcément envie de l'aborder aujourd'hui là comme ça sur le tas. J'ai envie de vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus construit pour vous en parler. Mais en gros, Bilbao a continué à prendre du poids là actuellement alors qu'il est au paddock avec une petite quantité de foin par jour. Il a continué à gonfler et c'est plus possible quoi. Donc on va reprendre sérieusement le travail afin qu'il puisse avoir régulièrement au moins 2 ou 3 fois par semaine du travail en fait, de l'exercice pour l'aider à perdre un peu. J'ai également 2-3 choses à vous montrer également parce que j'ai reçu le masque à mouche de Golden et j'ai également acheté un aliment pour les 3 loulous qui vont commencer à prendre quotidiennement pour les aider, notamment Bilbao et Gossip et pourquoi pas Golden par la même occasion parce qu'ils en ont besoin. On en reparlera quand on sera aux écuries et je pense que c'est tout. Sinon, comme d'habitude, au fur et à mesure de la vidéo, je vous montrerai tout ça. Donc là, je suis prête. Je vais remplir les bidons pour leur donner de l'eau et on est parti. Et je vous ai retrouvé. C'est bon, j'ai ma caméra. Elle était bien. Laissez aux écuries. Oh, bah alors les autres, restez pas derrière la porte, je vais vous faire mal. Bon, je préfère ça. Que, si elle était réellement paumée, j'aurais pas fait la même tête. Je ne pense pas qu'il y aurait eu réellement de vidéo si j'avais perdu ma caméra de vlog. Mais voilà, plus d'espoir que de mal. Je suis au Poupouns. Bien évidemment, je suis super contente. Monsieur Bibi garde son masque à mouche. C'est bien ça. La petite Golden que je vais vous montrer avec son masque à mouche aussi. Dans l'ombre, on voit pas trop bien. Bon, il est grand. Il est trop grand parce que au niveau des... Y'a là Fifi, y'a là. Au niveau de là, ça vient sur les lèvres. Il va falloir que je réajuste pour le reculer un peu. Mais sinon, elle est quand même bien protégée avec la moustiquaire. Elle l'a gardée aussi. Je suis super contente. Cependant, nous avons un maillon faible. Cette chose là. Il est où ton masque toi? Il est où? Il est où? Ouais, tu me l'as mis où? Tu me l'as mis où? Ouais, tu me l'as mis où? Regarde, t'as plein de mouches sur toi en plus. Vilaine. Bon, elle me l'a mis où son... Ah bah il est là. Gossip, arrête pas de me le retirer. Malgré que je l'ai réajusté, elle me l'enlève encore. Et en plus, elle me l'enlève en entier en fait. Elle arrive à le faire glisser. Donc je pense... bah là pour l'instant elle va garder celui-là, mais le mois prochain je vais lui acheter quand même celui-là, celui de Golden, parce que j'ai essayé celui de Golden à Gossip, il lui va parfaitement, donc je pense
que je vais lui en racheter un. Bon, ou soit elle va terminer la saison avec celui-là et on verra l'année prochaine pour investir dans l'autre. Ou soit, je vais voir, faut que je réfléchisse à cela. Viens là, trou du cul, j'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a troué l'oreille. Toi, tu t'es accroché. Tu t'es accroché quelque part et t'as tiré. Ça va ton oreille? Non, mais fais voir ton oreille du coup. Non, il n'y a pas de bobo. Il m'a troué. Hein? Il m'a troué. Son masque à mouche, trou du cul. Mina, bah oui. Bon, au moins tu l'as gardé, c'est déjà ça. Alors, pour l'aliment que je vous ai dit que j'ai acheté, en fait, hop. Il s'agit simplement de ceci, messieurs, dames. Ceci, ce sont des CMV. Donc, qu'est-ce que c'est les CMV? Ce sont des compléments minéraux et vitaminiques pour aider les chevaux et poneys à avoir tout ce dont ils ont besoin en plus de leur ration. Parce que des fois, quand on leur donne des compléments, donc des granulés, il manque certaines choses et les CMV, bah, ça aide du coup à leur donner tout ce qu'ils ont vraiment besoin. Et sachant que mes poneys, du coup, bon, Golden est complémenté en hiver, mais c'est vrai que tout le reste du temps, les trois sont à l'herbe ou au fourrage. En fait, ils n'ont pas, Gossip et Bilbao n'ont pas de complément, donc ils sont que à l'herbe. Et bah, l'herbe, bah, ça n'a pas tout, ça ne donne pas tout ce qu'ils ont besoin. Et ça peut être une cause du fait que Bilbao prenne du poids, tout simplement, parce qu'il peut être tout simplement en carence, donc manquer de pas mal de choses qui font bah, qu'il assimile mal les choses et qu'il prend du poids. Donc je vais tenter ces CMV là. Alors, il y en a qui m'ont dit du très bon de ces CMV, d'autres pas bon et tout. Comme tout, hein, il y en a qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui ne sont pas. En attendant de trouver une nutritionniste, parce que, encore une fois, j'ai cherché, j'ai contacté des nutritionnistes, sauf qu'il y a plus d'un mois de délai avant d'avoir des résultats. Ça m'embête. En attendant que les délais soient plus correct et un peu plus rapproché, on va leur donner du coup les CMV là, qui sont les Riverdi Mineral Oligovit Easy Dose. Donc pourquoi Easy Dose? C'est tout simplement que cela se donne comme des petites friandises. Voilà, ça permet de leur donner du coup les CMV qu'ils ont besoin. En fait, un granulé comporte, je crois, 10 grammes de CMV, donc voilà, ça leur donne beaucoup plus facilement et pas besoin de prendre une ration, donc des granulés à mélanger, parce qu'il existe les petites granules et là c'est en forme de friandise. Donc je leur donne directement comme ceci. Et du coup pour Golden et Gossip, je leur donne du coup une granule, donc 10 grammes par jour. Golden, généralement j'essaie de prendre des plus petits, parce que Golden, oh, elle est pas très, elle doit faire un peu plus de 100 kg. Gossip, elle doit être dans les 200, et Bibi, bah lui actuellement c'est très inquiétant, mais il monte dans les 300. Donc Bilbao, lui, je lui en donne 2, parce que les doses qui disent de 30 grammes, donc 3 unités par jour, à 60 grammes, donc 6 unités, c'est pour un cheval de 500 kg. Donc moi je fais mes petits produits en croix pour trouver pour les loulous. Et du coup, bah voilà, il y a Gossip 1, Golden 1, Bibi, il en a 2. Hop. Et vu que ça a le goût de la pomme, personnellement je ne sens absolument pas la pomme quand je sens les CMV, mais il les mange. Donc pour l'instant je leur donne régulièrement, pas quotidiennement, parce que du coup je ne viens que tous les deux jours. Donc pour le moment ils l'ont tous les deux jours, mais en hiver, vu que je reviendrai tous les jours aux écuries, ils auront tous les jours leur CMV. Peut-être une autre marque d'ici là. Pour l'instant je teste les CMV là, on verra par la suite si je change ou pas. Voilà, on va aller leur donner. C'est chiant.
Les filles mangent ça comme des petits pains. Il y a bien évidemment que Bibi qui maintenant chipote, il les veut pas. Il les veut pas alors que c'est lui qui en a le plus besoin aujourd'hui. Regardez, voilà le chipoteur. Alors qu'il mange tout et n'importe quoi de base. Hein. Me lèche pas, mange. Allez. Voilà. Non, mange. Mange, Bibi. Voilà. Ça, c'est très très bien. Non. Ah, il est chiant. T'as fini? Sinon, j'ai fait une nouvelle coupe à Gossip. Voilà. Et j'en aime pas parce que ça fait carré. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Pardon. J'ai tout recoupé à peu près droit au niveau de la crinière. Parce que toutes les pointes ne ressemblaient à rien. Bon, là, elle n'est pas brossée. Mais je trouve que ça fait beaucoup mieux. Je vous fais un peu. Je vous mets la story que j'avais mis dimanche quand je l'avais fait. Mais voilà. Et pourquoi t'as une tache aux fesses, toi? Tu t'es assise. Non, toi, tu te grattes les fesses. Ah là là. Bon, on va aller prendre le gros lardon et on va le préparer pour la petite séance de longe. Oh là là, le grand garçon, c'est bien mon cœur. Oui, moi c'est très très bien. En ce moment, je le travaille avec l'école éthologique et franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'écoute. La dernière fois, je lui fais faire une séance de longe, donc on va faire à peu près la même. Donc ça fait une petite semaine qu'on l'a pas fait et il a été très 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 à l'écoute. J'ai été impressionnée. Donc on va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais en ce moment, il est très à l'écoute, monsieur Bibi, et très calme. Hein. Ça, je pense, c'est parce qu'il fait chaud que t'es calme, hein, mon cœur. Et du coup, voilà le petit l'école éthologique de chez Minior Shop. Vous avez toujours un petit code promo qui vous donne moins 10% sur votre commande. On est parti? On est parti. Je vous retrouve en voix off car malheureusement le vent était bien parmi nous ce jour-là, donc c'est pas forcément très agréable pour vous de regarder la vidéo avec le vent, hein, donc c'est pour ça que je vous reprends en voix off et que j'ai coupé en séquence notre séance. J'aurais aimé pouvoir vous laisser l'intégralité de la séance, mais ça n'aurait absolument pas été agréable pour vous avec le vent et sans son, c'est pas forcément le plus intéressant. Là, j'ai mis le son au minimum pour que vous entendiez un peu ce que je dis. Donc le but de la séance est très simple, c'est simplement les transitions. Le but aujourd'hui avec Bilbao, c'est de le remettre au travail et surtout le faire bouger. Sauf que au début, je ne vais pas lui demander de me faire du galop pendant une heure, ça n'a aucun intérêt, ça va l'épuiser, ça va engendrer d'autres problèmes, les problèmes de tendons, etc. Donc on reprend tranquillement sur les transitions et de un, ça va le faire bouger et de deux, ça va nous permettre de savoir s'il est attentif avec moi, si on arrive à être connecté durant la séance et qu'il il se laisse pas distraire par les bruits d'à côté. Parce que en plus de ça, je travaille dans le paddock et dans le paddock, il y a Gossip et Golden. Okay.
La séquence que vous venez de voir juste avant, personnellement, je suis plutôt fière parce que Bilbao est très à l'écoute. On voit que les transitions sont très fluides et dès ma demande, en fait, il n'y a pas de temps de réaction. Franchement, il est très, très attentif, donc je suis super fière. Au niveau du coup de la progression des transitions, donc en début de séance, on a commencé par quelque chose de simple, donc la transition du pas, trop, trop, pas et parfois une demande à l'arrêt, parce que c'est vrai que l'arrêt c'est encore un peu compliqué pour Bilbao, il y a quand même pas mal de demandes de ma part pour qu'il arrive à l'arrêt. J'essaye toujours de m'orienter vers ses postérieurs pour lui demander du coup de se décaler, donc comme l'exercice des déplacements des hanches. Et ce qui est plutôt bien que lorsqu'il me fait son arrêt, c'est que de plus en plus il se met face à moi, donc je suis super contente. Ensuite, pour la progression des transitions, on a enchaîné avec le pas, trop, galop, galop, trop, pas, et ensuite de temps en temps lui demander un arrêt. Par la suite, je voulais faire des transitions rapprochées avec le pas et le trot pour voir s'il était vraiment bien connecté avec moi. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même du très bon. J'aimerais qu'il soit encore plus réactif, mais ça, ce sera au fur et à mesure des séances. Mais franchement, il me donne vraiment du très bon pour le moment. Et pour terminer, on a tenté les transitions pas, galop, galop, trot, pas. Et c'est vrai que c'est encore un tout petit peu compliqué pour Bilbao, son départ au galop depuis le pas, car il a tendance à nous faire quelques petites foulées de trot avant son passage au galop. Mais il y a quand même du très bon, hein. C'est vraiment une ou deux foulées de trot, et des fois juste une foulée de trot et hop, il y va. Ou vers la fin de la séance, il est arrivé à me donner directement le départ au galop depuis le pas. Donc voilà, c'est vraiment sur ça qu'on s'est arrêté pour cette séance. Bien évidemment, à chaque fois que je fais d'un côté, eh bien on fait de l'autre pour pas qu'il se lasse et que au niveau des membres, ce soit mauvais pour lui. Et voilà, pour cette séance-là, on s'est arrêté là-dessus, car en plus, on reste quand même dans les fortes chaleurs. Là, on est sur une séance de 15 minutes qui est plutôt bien. On a fait des petites transitions, ça lui a bien fait bouger quand même. Donc par la suite, on accentuera les exercices. J'essaye de varier au maximum aussi pour pas qu'il se lasse, parce que ça reste un poney qui se déconnecte assez facilement si on fait trop souvent la même chose. Donc j'essaye de varier en essayant de le faire sauter un peu, partir en balade, etc. Mais voilà, je vais vraiment devoir créer un planning de travail avec lui, notamment pour vraiment me fixer un objectif de perte de poids pour vraiment l'aider, parce que on voit clairement sur les images qu'il y a quand même pas mal de graisse sur Monsieur Bilbao. Mais voilà, sinon je suis très contente de cette séance avec mon loulou. Golden, Golden. Ça va, elle a attendu la fin pour me faire tomber ma caméra. Bon, petite séance terminée avec Monsieur Bibi. Très bien. Hein? Bon, le pas, des fois, il a un peu de mal. Hein? Il aime bien directement aller au trot, mais il écoute de mieux en mieux. Je suis super fière de lui, hein, mon cœur. Après, va falloir que tu t'assouplisses un peu, mon grand. Mais ça, c'est d'autres exercices, mais ça viendra petit à petit. Là, on l'a vraiment dans le calme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs temps où c'était vraiment infernal de le longer parce qu'il pétait un câble, il partait directement au galop. Je n'arrivais pas à le canaliser. Et là, c'est 100 fois plus agréable de travailler avec lui. Oui, c'est bien, mon grand. Ça l'a bien un peu travaillé, c'est bien. Au fur et à mesure, on approfondira tout ça. Mais je suis très contente de mon doudou. On va lui faire une petite douche aux membres. Parce que ça va, il a pas trop transpiré. On ne fait pas encore des choses excessives, mais ça commence à le faire bouger. Et petit à petit, il perdra du poids en fait. Hein. Faut pas désespérer. Ça viendra petit à petit aussi. Ça, on ne perd pas du poids en claquant des doigts, bien évidemment. Mais je suis très fière de mon doudou. Moi, je l'aime. Je l'aime, ce doudou. Thank you.
On voit avec la petite douchette que j'avais juste passé un petit coup comme ça en mode zigzag sur son corps, et vu qu'il vient de se rouler dans la boue, en fait il est sale juste là où j'ai mouillé et ça fait des petits zigzags. C'est intéressant, c'est artistique, Bibi, j'adore. Ce que je fais pour éviter la poussière dans le box, que du coup avec les fortes températures, bah, tout est sec, il y a plein de poussière et les poneys toussent assez facilement à cause de ça. Du coup de temps en temps je mouille le box avec ma petite douche de camping et ça marche plutôt bien, et en plus de ça, ça rafraîchit également le box, parce que les températures qu'on a maintenant, bah même le box il est plus frais quoi, donc avec l'eau bah ça rafraîchit un peu, donc ça fait du bien. Donc ce que je fais du coup, c'est avec ma petite douchette, je mouille partout, je mouille tout le sol. Bon, j'évite un peu la paille pour pas que ça moisisse, mais au moins quand une fois que c'est bien mouillé, bah ça enlève la poussière et ça rafraîchit du coup le box. Bon, je vais faire un petit pansage express aux deux miss, remettre le masque à Gossip et à Monsieur Bibi. Je vais leur donner un peu de foin et on sera bon. Mais du coup, moi, je vais vous laisser ici, parce que je pense que c'est pas trop intéressant de vous montrer tout le temps la même chose. Donc, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si c'est pas encore le cas, et enclencher comme d'habitude la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Et sinon, bah moi et mon petit peuple ici présent qui est dans la lumière, que vous voyez pas beaucoup, on va vous laisser et on vous dit à la prochaine. Salut.